Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Young Soul live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Au-delà de ce point, vous commencez la séquence finale du jeu et ne pouvez plus sauvegarder avant la fin. Vous pouvez revenir au portail lunaire si vous avez des choses à terminer. Je pense que j'ai tout fait déjà. Les enfants, papa, je vous... Papa, vous allez bien? Oui, bien les autres, vous nous réservez parfois des surprises. J'ai cru comprendre que vous aviez été bien occupés. Vous n'avez pas idée. Où sont les jambes, les gardes, les petites mains? Toi, Van Gorben, puis quand les Gorbans se sont révoltés, il m'a laissé là, mais ce bruit ne peut pas être que... Bien, c'est comme ça, j'ai cru dans la trouver des plans. Ouais, il va détruire la lune. Oui, il l'a déjà envoyé, il est trop tard pour l'arrêter. Nous devons maintenant prendre un revers. Elle sera sous la ville d'ici demain, voire même avant. On va l'arrêter pour l'instant, je suis juste content de voir... Vous allez bien. On va vous ramener à la maison une petite couche. Douche. Ça vous dit? Vous avez l'air d'avoir besoin d'une douche. Je serai prêt à tuer pour une douche, merci. Désolé. Que vous soyez retrouvés mêlés à tout cela. Moi, je suis pas désolé. Moi non plus. On est des putains de héros. On est sûrement, et je sais pas, on a peut-être fait quelque chose de bien. Toute révolution se fait dans la violence et peut se révéler positif à court terme. Mais un vrai changement peut en découler. C'est possible. Vous devez être perdu votre optimisme, ce que je vois venir. On va voir ce qui va se passer. Les adieux, chapitre 10. Baldwin, pardonnez-moi avant de trouver le moyen de désactiver l'autre excavateur. Je crois bien, oui. Capitaine, je m'en sens investi en ce moment. Je me rends à ville, il arrivera à une large cavité de terre instable. C'est là qu'on fera s'effondrer la poche sur eux-mêmes. Oui, c'était l'une des premières colonies des Gobans. Le portail qui s'y trouve est le plus élevé et le plus proche de la surface. Nous pourrions les devancer et préparer le piège. Avec quelques explosifs bien placés, on pourrait réussir à l'arrêter. Peut-être bien, mais qui va fabriquer les explosifs? C'est juste un peu de chimie appliquée, de géologie, rien de trop difficile. C'est vrai. Là, quand c'est télépathe, t'as un peu ces bombes. Et on leur démolit pas prêt. Dès que les bombes seront posées, il faudra partir d'au moins 3 heures. Et aidez-moi à aller me chercher ce dont j'ai besoin. Pour une fois, je vais pas me plaindre. Posez la bombe du professeur. Ça
Ça devrait être le meilleur endroit. Je ne suis peut-être pas votre vrai père, mais au moins je suis. Ouais, on n'a même pas regardé des zombies. Ouais, mais la crise existentielle qui m'a frappé quand j'ai découvert tout ça. J'avais pas pensé. C'est que vous pouvez avec que vous avez. Ouais, c'est clair, c'est sérieux, mais c'est pas grave. On va réussir. J'ai inspecté la zone, je pense que c'est ici que les résistances sont les plus faibles dans la grotte. Je vais poser la charge principale et le détonateur sur la plateforme centrale. Vous deux disposez des explosifs un peu partout. Elle doit s'effondrer sur elle-même, il faut donc créer un maximum d'instabilité structurelle. Non, c'est chiant, voilà. J'aurais cru que les explosifs étaient aussi chiants. Un travail précis de dosage, de masse, de force et de chimie, cela n'a rien d'ennuyeux. C'est un peu chiant, mais aussi tout petit que l'intérêt. Et bon, tu es prêt à t'approuver, papa? Ouais, tout est prêt, Paps. Enfin, papa, ouais, juste papa. Oui, parfait, merci. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas arriver à votre avant, au moins. Allez voir ce qu'il en est, il nous faut encore 10 minutes, peut-être plus. Professeur, ça se passe pas. Je vois ça. Je vois très bien, je suis vraiment navré, mais je ne vais pas avoir le temps de mettre un point détonateur. Je suis désolé, les enfants, vous n'avez plus le temps. Je dois déclencher à présent. Vous devez partir. Non, je ne laisserai pas. Jen, tu dois être raisonnable. Après tout ce qu'on a traversé, on s'est battu, on a renversé un gouvernement. Tristan, ramène ta sœur. Elle a raison. Jen, il faut putain, non? Bonjour. Peut-être que vous me pardonnerez. Eh bien, enterrez votre héritage là-dessous. Pas de gros mots, jeune fille. Allez, ça fout, renvoyez-le là-bas. Je ne peux pas. Le portail ne fonctionne plus. Les relevés sont indiqués qu'il a disparu. Renvoyez-nous vers le plus proche. Renvoyez-nous. Pourquoi la personne n'était pas avec vous? Allez, vous faire foutre. Je vois. Ça fait Tristan, va te faire foutre. Je crois qu'il a réussi. L'escalateur n'avance plus. Mais tu vas te casser, le sale. Le sale va bien avoir. Jen. Quoi? On a sauvé une vieille qui nous déteste, la seule personne qui en avait quelque chose pour un foutre de nous, putain. Elle finira par se calmer. Vous avez réalisé une grande chose aujourd'hui. Le professeur a réalisé de grandes choses. Vous avez raison. Allez vous faire foutre. Oh, les enfants. Putain, quoi ça arrive? Tout ça. Ouais, tout ça. C'est
je pense que le capitaine il avait de l'espoir, pas comme nous. Nous aussi, on peut voir on peut avoir de l'espoir. Je sais pas si je suis capable avec toi. Vraiment. Est-ce que tu te trappes, comment tu fais ça, comment et pourquoi t'as, comment t'as tué le titan? C'est quoi? Ouais, ben c'est bébé le titan. Ouais, je sais. En tout cas, je crois que tout est signé. Walden va gérer la suite en vérité, sans le gouvernement Goblin, quasiment disparu. Baldwin va pouvoir rentrer les deux tempêtes. Et Abel va reprendre les choses en main. Ouais, on peut plus rien faire maintenant. Ça aussi, ça fait bien chier. Je suis bien d'accord. Les mères voulaient nous voir et on devrait dire au revoir aux Goblins de la ville des Goblins. Ouais, ok. Je sais que vous êtes très après tout ce qui vient de se passer, mais maintenant que l'escalateur est en service, nous avons le temps de souffler un peu. Bravo pour ce que vous avez fait. Vous avez sauvé cette ville. Reposez-vous à présent. Et laissez-vous veiller à ce que le gobelet ne soit plus une menace, ni pour nous, ni pour eux-mêmes. Après tout ce que vous avez fait, vous pouvez laisser les adultes prendre le relais. On vous tiendra au courant, bien sûr. Voulez-vous être payé en avance sur l'honoraire comme nos experts de bien sur place? Ce serait moi le truc à faire. Je sais pas si on a trop le temps de faire, mais on va y réfléchir. Nous n'aurions pu le faire sans vous, alors dites oui, s'il vous plaît. Les enfants, je craignais que vous soyez à vos affaires sans prêtre. Oui, je sentais que vous alliez nous quitter. J'ai eu un peu peur de vous partir sans dire au revoir. Sans dire au revoir? Pas la plus grande chose pour nous dans cette ville. Oui, vous avez sauvé la ville et sans doute deux membres de vous êtes fiers. C'est le professeur qui a fait ça. Nous, on a juste fracassé des trucs. Oui, mais vous devriez en être fiers. Quand t'es pas trop là-dessus. Pardon, c'était puissant. Oui, c'est une chose, une bonne façon de résumer. Tout le monde voudra vous dire au revoir, je vous en prie. Passez au moins cette soirée avec. C'est sans doute un contre-coup de toutes ces excavations, je vous en prie. Réfléchissez bien. Vous êtes chez vous ici, avec nous. C'est impossible. Quoi, comment peut-il avoir encore des enfants par terre avant que... Non. J'ai jamais vu ça. Bordel. Bah, les idées? Non, je peux toujours payer en bas. Je reste avec toi quand j'aime, quoi qu'il arrive. C'est quoi ce bordel, putain? C'est les gens, putain de merde. Vous ne détruirez pas cette ville. J'ai créé cette machine à l'aide des ruines de puissance et du matériel récupéré dans le monde souterrain. Vous voulez anéantir la ville, moi je vais faire séparer toutes ces grottes de l'utilisation avec. Tiens, vous avez dépensé de ce qu'il y avait de nous il y a 1000 heures, je vais apprendre ce qu'il y a moi. Moi je vais vous le dire. C'est leur bordel à l'intérieur. Vous ne pouvez pas détruire les gobelins. Vous vous êtes servi de ce qu'on vous a donné pour créer ça. Vous n'avez pas le droit. C'est une génocide. C'est mal. Vous vous souvenez à faire de mon nom. Je suis désolé, mais c'est le seul moyen. Regardez ce qu'il essaie de faire. Ah.
Hop, un sauchon, ça va exploser. Il faut mettre. Boum. Qui défendez-vous? La tête. Mon corps. On défend nous-mêmes. Personne. Pourquoi vous me posez toujours ces questions? Vous êtes un fantôme, vous n'existez pas pour vous vrai. Tu veux dire qu'il faut pas vous faire des gens? Laissez-nous tranquille. Laissez-nous mourir ici. C'est grave. Hein? C'était calme. Qui peut se faire de vous pour trouver les gens? La ville. Les gobelins. Tout le monde. Je ne veux pas ça. Je ne peux pas m'arrêter. On doit être. Je vois aussi Mr. Flight. C'est la fin, là. Je savais que nos chemins se croisent à nouveau. C'est terminé, deux fois, on ne veut pas arriver là, mais ce que vous essayez de faire, on sera obligé. Pas dans les profondeurs de la prison Pierre, famille loin du soleil, loin des prairies. Vous voulez détruire ces deux lieux, putain, on ne peut pas vous regarder faire. On a dû tuer 1 milliard de gobelins à main nue. On est des putains de cinglés. Alors, arrêtez tout ça. Je ne mettrai pas le genou à terre, pas devant vous, pas devant les des terrariens. John, qu'est-ce que t'en penses? Il a l'air de rester, de s'en prendre, c'est la gueule. Donne-lui ce qu'il attend. Combat final devant Dwenver Gorbin.
de changer. Et voilà, une autre fois. Ouch. Wow. Calisse. Je suis une deuxième partie. Peut-être pas. Non, il était là. C'est la surface plus que vous. Je vais pas vous contredire, mec. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas tuer tous ces gens. On vous laisserait pas faire. Ne faites pas semblant de comprendre. Ne faites pas semblant de ne pas savoir ce que c'est. Vous voulez vaincre les vaincus, jusqu'à la terre de l'esprit. Ils voulaient tous nous tuer avec ces machines, ils voulaient retenter à tout moment. Le seul moyen d'être en sécurité, c'était de l'anéantir. Et tous ceux à qui nous avons fait l'asile. Oui, ils peuvent rester, mais je dois les empêcher de pouvoir faire la guerre. Je dois protéger ces vieux, personne d'autre ne le fera. Il y aura toujours ce risque. Et ça fait grave chier, mais vous ne pouvez pas massacrer tout le peuple parce que vous avez peur. Je suis déterminé, ma volonté est inébranlable. Vous devrez le comprendre mieux que quiconque. Détermination, volonté, tout un monde. Comme si c'était un atout. C'est vrai. Vous êtes déjà dit que peur, ceux qui sont effacés sans jamais changer d'avis. Ça m'impressionne personne. La détermination, c'est juste une obstination. Et je crois être en de quoi un parle. Ça vous mènera peut-être loin, mais pas vers ce qui compte vraiment. Vous devez être prêt à eux, merde. Je l'ai sur le bout de la langue. Je t'avais compris. Ben voilà, changez de cap, bordel. Non, peu importe que l'on me qualifie de mort, ces gobelins voudront toujours se venger de ce qu'on leur a fait. Et tentera toujours leur chance. Qui veut dire? Qui défendez-vous quand vous prenez les armes en gueule? Oh putain. Joli, qui défendez-vous quand vous prenez les armes? C'est vous, ma famille. Votre vagabond d'un vide, qui vous défendez quand vous prenez les armes, ce que vous voulez. Je me bats pour mon peuple. Je veux les voir fort, venez. Je veux qu'il me retrouve dans l'air. Eh bien, je me bats pour leur avenir, sur terre. J'étais face aux genoux, j'étais posé des armes devant eux. C'est assez simple. Non, mais c'est une chance pour que nous remportions tous les combats. Il suffit juste d'éteindre votre putain de machine à tuer. Je vous fais confiance. C'est la fin, je crois, on a terminé. On n'est pas loin. Quelques semaines plus tard. Je peux vous joindre? Bien sûr. Montez. Vous avez toujours fière allure ici. Je me demande ce que vous pouvez regarder. Rien. Tout. Oui, eh bien, les
négociations de paix se passent bien. Pour le moment du moins. Un processeur organisé. Darwin Gordon risque la peine de mort pour ce qu'il a fait. Mais il s'en sortira peut-être avec un simple appel à l'ordre. Mon peuple n'est pas rationnel. Il n'a rien fait. Ouais, nous les humains, on est capables de tout faire partir en vrai. Faites-nous confiance là-dessus. Entre les mains de Darwin Gordon, de nombreuses vies ont été perdues en vain. C'est vrai. Et c'est vrai juste qu'il pensait être le mieux pour protéger son peuple. Est-ce que ça l'excuse tout? Non, mais t'explique. Alors, vous ne ferez rien pour tenter de punir l'un ou l'autre? Non, je pense pas. Je crois que c'est la vieille réceptionniste qui a lancé l'action en justice car Walden. On n'a pas envie d'être mêlé à ça. Je vois. Je vais tout faire pour que Darwin Gordon soit démis de sa pierre. Et je soutiens ceux qui veulent envoyer le maire derrière les barreaux. Je comprends votre point de vue. Ouais. Et on est des putains de sages maintenant. Des putains de grands sages. Des gros mots, les enfants. Oh putain, je vais les barrer. Merde, ça arrivera plus. Eh bien, d'accord, je vous laisse dans ce cas. Tu crois qu'il prend encore pour des enfants? Ouais, je crois qu'il fait. C'est quoi? Quoi? C'est tout à l'heure. Ouais, eh bien, ça pourrait être pire. Young Soul, terminé sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah! On l'a terminé, Mr. Flight. C'est le troisième jeu cette semaine qu'on termine. Terminé de la semaine. Pas de la semaine, mais en tout, sous la chaîne. Ça dans 2-3 minutes, dès qu'après les. Dès que c'est fini. On va regarder ça ensemble.
Merci à nos familles pour leur patience et pour nous avoir soutenus et portés pendant tout ce développement. Merci à Cyril et toute l'équipe de Dotemu. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Young Soul Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!